Salut, ici Julien Tremblay. Bonjour et bienvenue à Julien le matin. Et là, c'est officiel. C'est maintenant officiel. On est là. C'est maintenant officiel. Vous ne savez pas, On est sur Instagram. Oh, hey. Comment allez-vous, les jeunes? Ouais, moi, j'ai connu YouTube, il n'y avait pas d'annonce. On se fait-tu une petite partie de Vine? On se fait-tu un petit 2 dans 3 de Vine? Ça s'appelle le Julien le matin, c'est ça? On est Julien le matin. Moi, c'est la première fois, tu sais, quand je fais des farces avec Vine et tout ça, mais moi, hier, j'ai vécu Netflix and chill. C'est pas regarder un film, ça, Netflix and chill. Encore moins Netflix and Jill. Ça, Netflix and Jill, vous voulez pas faire un Vine avec ça. Julien le matin est fier de vous annoncer que bientôt, on va instaurer les Julien le matin Facebook Live Late Night Pajama Jams. Quoi? Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Les Julien le matin Facebook Live Late Night Pajama Jams. C'est que le soir, on jam, on va instaurer une place, on va être là, on va vous dire c'est où. Et vous allez nous écrire, on va sélectionner des musiciens, puis on va faire ça peut-être une fois par mois, quelque chose comme ça. Et vous allez venir jammer avec nous autres. On va jammer quelques tunes, on va avoir du fun, on va rire, on va être live sur Facebook et on va jouer des tunes ensemble. Ça va être le fun, ça. Et comment est-ce qu'on appelle ça, tout le monde ensemble? Les Facebook Live Julien le matin, Late Night Jam. Juste pour se faire le vide. Prends 3 secondes et écoutez Marc Gervais, OK? Yes! Ben oui, j'ai écouté Marc. Il était policier à Hawkesbury, lui, avant. Sérieux? Oui, c'était un policier à Hawkesbury. C'est un policier? Oui. Tu vas-tu à l'école pour être conférencier? Je pense que c'est à la même place, c'est Nicolette. Bonjour à vous tous. OK, wow, non, ça n'a pas la... Juste, bon, ça ne rend pas justice à ce que Marc dit. Quand ta blonde te connaissait là, elle va te t'acheter un chant. Va voir une conférence de Marc Gervais. Les infos dans la description. Parce que lui, il dit tout haut. Ce que tout le monde pense tout le temps, toujours tout haut. On commence avec bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Tu sais, lorsqu'on se lève le matin, là, souvent, là, on s'attrique, hein, on se prépare physiquement, on se met beau et belle. Mais je pense que c'est important de prendre un petit 2 secondes des fois pour se préparer mentalement. Tu sais, juste se regarder dans le miroir ou juste se parler 2 secondes. À quelque part, ça fait une grosse différence. Tu sais, je vais passer une belle journée, peu importe ce qui se passe. Puis aussi, surtout, d'apprendre à t'aimer. Parce que quand tu te lèves le matin, là, puis t'es plein d'amour pour toi-même, t'es plein de confiance, t'as plein d'estime. Ça, il appelle ça une érection. On va aller juste vers la fin. Lorsqu'on part d'un plein, d'amour, un plein d'estime, et surtout un plein de confiance. Où tu fais le plein de confiance, que c'est le moins cher, mettons? Au Madrid? Madrid peut-être. Saint-Liboire, la sortie, ouais, je me souviens, Saint-Liboire. C'est une super confiance qu'ils ont là-bas. Il n'y a pas de confiance ordinaire? Non. Non, ben, pourtant, mais si tu veux faire un... Il y a de l'estime, par exemple. Tu peux-tu prendre de l'estime? T'as-tu des points d'estime? Tu peux-tu avoir la carte points d'estime? Ben, tu peux appliquer pour la carte, mais tu fais attendre tout le monde en arrière de toi. Ça, c'est long, ça. Ouais, si tu t'en veux un peu longtemps, faut que tu payes d'avance, par exemple. Faut que tu payes d'avance? Tout ça pour 2 Gatorade. Non, c'est vrai que ça ne va pas la peine. Le plein d'amour, par exemple, je ne sais pas trop où je pourrais faire le plein d'amour. J'en aurais besoin. Parc? Parlant de parc, si j'avais le plein d'amour à faire, si vous êtes près de l'Assomption, il y a un beau parc là où le feuillage... Moi, j'ai vérifié mon arbre généalogique et dans les années 1800, il y avait beaucoup de gens qui allaient par amour, juste main dans la main. C'est ça que je devrais aller faire. Moi, je suis Zouske! Vous allez dire, Julien, de quoi tu parles? Moi, j'ai des antennes. Je suis capable d'aller chercher les fréquences. Je crois fortement qu'on dégage des mégahertz, qu'on est tous et toutes des fréquences et qu'à un moment donné, on peut s'adapter à... Moi, j'ai appris avec les années à avoir un dimmer et aller chercher la fréquence de l'autre et être vraiment, vraiment au diapason sur ce qu'elle ressent. Il y a un membre de l'équipe qui ne file pas en ce moment. Et quand il y a un membre de l'équipe qui ne file pas, on va juste mettre un stop. On n'est pas pressé. Il n'y a pas de stress. On prend rarement le temps de s'asseoir. On va le faire. Tu ne peux pas être de bonne humeur puis amener quelqu'un dans la tristesse.
par ta bonne humeur. Faut que tu descendes à la tristesse et que tu l'amènes avec toi à la bonne humeur. La voix! Tu files pas, mon vieux? Pas ben ben. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais c'est ainsi, ma femme, là. Ah, ça va être long, ça. Elle me traite de momoune. Moi, je te fais longtemps que je te connais, la voix. T'es zéro momoune. Hein, il est viril, ce gars-là. Mais c'est la règle, t'es viril. Non, je vais le dire au monde. C'est les orignaux qui achètent son urine. Ça, c'est viril à ton goût, ça? Voyons donc. Les orignaux, il y a des chevreuils qui se promènent des grandes forêts canadiennes. Pisse à la voix! Ils vont le pisse à la... L'autre jour, je me suis acheté une laveuse. Je l'ai fait livrer. Mm-hmm. Puis j'ai payé le gars pour qu'il l'installe en haut. Tu sais, j'ai rien fait. Puis une corde de bois, il vient de m'amener, là. Moi, c'était à râper, là, dans du saran wrap, là, tu sais. Ouais. Pas d'écorce. Elle sait pas, elle, que toi, t'es juste... On dirait que ta gorge, juste ta voix, là. Le matin, tu te réveilles, tu manges des Tractionade. C'est ça que tu fais. Toi, tu peux sortir ta femme du banc de neige avec ta gorge. Ouais. C'est ça que t'es capable de faire. Ce gars-là, c'est le seul gars que je connais, il a un conseiller financier à sa banque de sperme. Faut-tu donner? Ouais. Non, ça n'a pas d'allure. Je comprends pas pourquoi tu as dit que t'es momoune. Le gars, le bad boy. C'est toi, c'est la voix. Ouais. Mais là, je suis pour prouver que je suis pas momoune. J'espère. Comment tu vas faire ça? Je vais faire du bacon en chest. All right, mais moi, j'aime ça du bacon. Il ouais. Y aura pas de chest dans le bacon. Non, c'est du bacon en chest. Good. On va manger du chestless bacon. Ouais. OK, c'est ça, moi, je voulais. OK? OK, ben parfait, c'est ça qu'on va faire. Moi, je vais en profiter pour vous dire que le 16 juillet prochain, moi, je serai en spectacle à la Place des Arts, à la salle Jean Duceppe, pour mon spectacle Humble et Magnifique. Je fais le one-man show. Et vous pouvez aller sur julientremblay.net pour les billets. Tu as besoin de... Qu'est-ce que tu as? Tu as les épaules? Peux-tu m'aider? Je suis pas capable d'enlever mon chandail. Il fait chaud, là, c'est pour ça. Oui. Je sais qu'il fait chaud. Attention, hein? Je sais. OK, tu sais pas trop fort. Non, mais je... Attends un peu. Mais voyons, tu mets encore ta côte, toi? Mais oui, je me suis pris une côte une fois, tu sais, en éternuant. Ah, attention, mes lunettes, mes lunettes! Mais je vais pas te lunettes. Il est viré au bout. Ouais. Okay. Lui, il va à l'hôpital. Ouais. C'est les gosses du médecin qui toussent. Je sais pas quoi faire. Je suis pas réussi pas. La fille, elle arrive à la maison, elle fait 2-3 jours qu'on se voit, tu sais. Puis là, elle dit, je peux-tu me démaquiller? Ah, sauf toi. Fait que je dis, bah oui, vas-y. Puis là, je regarde la télévision. T'as puis elle m'a dit, elle sort de la salle de bain, puis elle dit, hey, on devrait regarder un film ce soir. Ah, oh, c'est frère. Fait que je dis, ok. Puis je regarde, la débarbouillette qu'elle utilise dans sa face, c'est la débarbouillette que je venais juste de me laver avec, j'ai appris ma douche. Fait que c'est ce que je fais, fait que j'ai dit tu qu'elle se lave la face avec ma débarbouillette. Pour enseigner au Congo. Ou est-ce que je lui dis pas, puis que si elle me demande de faire l'amour, je sais pas quoi faire. Clairement. Mais regarde, si j'ai dit pas, si j'ai dit, elle va se fâcher. Elle va partir. Si j'ai dit pas, puis elle me demande de faire l'amour, je sais pas quoi faire. Prends en arrière. Bonne idée. Notre prochain invité, c'est un jeune garçon qui pense qu'il connaît tout en musique. C'est pas ça. On a souvent des obstinations sur ce que c'est un bon texte ou encore. Ce qui constitue une bonne chanson. C'est pour nous en parler, J.S., notre stagiaire reporter, journaliste en herbe qui est pas payé. Salut! Ça va? Écoute, on s'entend pas sur la musique. Moi, je dis que c'est trop sexe. C'est juste parce que t'es pas de la génération Jason Derulo. Et ça, c'est une application Vine, ça. Non, regarde, la façon de savoir si la toune est bonne, tu te poses juste une question. Est-ce que le chanteur, au début de la toune, crie son nom? T'as jamais écouté dans tes écouteurs du Pink Floyd avec des paroles qui étaient édifiantes? C'est un boy band. Ben, c'est tout des gars, là. C'est un boy band. Écoute, si t'es capable de me donner des exemples de ce que c'est une chanson, parce que moi, je sais que Millionaire se tient que Flo Rida dans des bars de danseuses avec du champagne, puis des rubber bands, puis des Benjamin Franklin's. Est-ce que ça constitue une bonne chanson? Parce que ça parle juste de sexe tout le temps. Non, ça parle pas de sexe. Le schéma narratif, tu l'as dit, il manque de champagne, le drame est là, t'arrives à l'intrigue, qu'est-ce qui va se passer? Sean Kingston débarque.
Et là, l'intrigue se joue avec une scène rocambolesque. Qui on retrouve dans les chansons? Je retrouvais toujours Shari. Il y avait Boo est tout le temps là. Boo, Shari. B, classique, un peu vieillissant, mais il faut dire que B aura toujours sa place. Ça vieillit pas, B. Shari Boo peut être une personne en soi. Si c'est digne de Shari Boo, tu peux juste être Shari, tu peux juste être Boo. Shari Boo est une entité en soi. Ça dépend. Check au registre des entreprises. Ok, c'est ça, je vais vérifier mes factures. I'm gonna shake the yard. My world is better than yours. My world is better than yours. C'est bon, ça. Une métaphore. Ça fait juste illustrer que l'amour, c'est comme un milkshake. Tu sais, ça fait du bien. Ça réconforte. T'es content d'en avoir. C'est vrai. Tu sais, t'en veux beaucoup dans ta bouche. Hey, wow. Ça goûte sucré. Hey, je. T'as-tu. Une autre toune? Parce que je suis pas mal sûr que là, tu comprends pas l'anglais. Ben, t'as peu. Janie in the Bottle. Tu te souviens de cette chanson-là de Christina Aguilera? Ouais, oui. Là, tu me parles. Bon, Christina Aguilera qui, dans cette chanson-là, dit « I'm a genie in a bottle, you gotta rub me the right way ». Ouais. Moi, je comprends très bien ce qu'elle veut dire, hein? Ben, oui. Un génie dans la bouteille. Aladdin. Ouais. Aladdin, c'est un génie. Il fait réparer son tapis chez Aladdin Tire. Oh! Prochaine toune. Il y a une chansonnière, Nicki Minaj, elle, qui chante Anaconda. Ouais, c'est une bonne chansonnière, ça. Avec un gars qui dit « My anaconda don't, my anaconda won't, unless you got bonds, hun. » Ouais. C'est pas mal clair, là. Mais le gars, c'est parce qu'il tripe visiblement ses reptiles. Ah oui. Et le pain. Il est juste pris entre partir une animalerie ou encore une boulangerie. C'est un thriller entrepreneurial. Mais s'il pouvait se partir les deux, ça serait une Cobra Ciata. Je vais t'envoyer ça sur Vine. Notre prochaine invitée, c'est une fille. Je suis content de dire que c'est mon amie, je crois. C'est une connaissance. C'est plus qu'une connaissance. J'ai pris de la bière avec elle. Je ne peux plus. Apprenons pourquoi. Veuillez accueillir Éliane Gagnon. Yeah. Allô, Éliane. Éliane Gagnon, la reconnaissez-vous? C'est dans le parking! Éliane Gagnon, je suis pas pour donner ton CV au complet. T'étais une des marionnettes dans À plein temps. Ramdam, la petite fille de Ramdam. Ramdam, Louis. Oh, c'est là que je t'ai vu! Ramdam a fait en sorte que t'as appris que t'étais capable d'en virer une salle. Oui. Et une salle, t'as viré. Une salle, j'ai viré, Julien. Le tabagisme, c'est une toxicomanie. J'ai commencé, je peux pas dire l'âge parce que c'est trop jeune. Ensuite, ben, il y a eu le pot, le hash, etc. pour me rendre à l'alcool à l'âge de 17 ans. Au moment où j'ai commencé à consommer de l'alcool, j'étais une blackout drinker. Tu sais quoi des blackouts? Ben oui, j'ai fait sous-écoute avec Mike Ward 3 reprises et il parle beaucoup de ses blackouts lui. Ben, des blackouts, c'est pas normal. L'important de remarquer que les médias, ils sont vraiment tout le temps en train de... Puis nous autres, ben les alcooliques, souvent, c'est qu'on se tue à faire « Ah ouais, mais la prochaine fois, ça va être différent. La prochaine fois, je vais réussir à consommer comme il faut, tu sais. » Puis là, ben la poudre embarque là-dedans. No way! Yeah. Il est de bonne heure pour parler de poudre, mais c'est ça pareil. Vous avez dû être fatigué à sa poudre. Ah! Si vous vous écoutez parler, vous écoutez pas les autres. Ouais. Je peux consommer, tu sais. Je fais plus de blackout, je fais de la poudre. Là, je veux dire aux gens qu'elle n'est pas ici pour nous parler justement de ça. C'est parce qu'on arrive à, là... la lumière. Au bout du tunnel. Parce que là, t'as créé quelque chose qui s'appelle Sober Lab. Exactement. Puis il y en a peut-être qui en auraient besoin de ce party. C'est un party, je veux juste le mentionner, c'est le 8 juillet. Oui, il y a un party, un défi Sober Party le 8 juillet. On en a fait un à Montréal le 21 mai. Comment ça a été? Ça a bien été. On a amassé genre 8 000 $. Le party le 8 juillet, c'est où? C'est à Stoneham, à la Grange du Presbytère. Vous voulez faire quelque chose de sobre, puis vous avez choisi Stoneham. Oui. Whedon était pris. J'adore. J'avais même pas fait le lien Stoneham. Ben oui. Le jambon gelé. Le jambon gelé. Moi, je peux pas consommer. Je le sais. Je sais, ça me mène où, tu sais. L'alcool au volant, puis toutes les affaires que j'ai racontées dans mon billet Urbania, justement. Ouais, allez lire ça, ça s'appelle... C'est urbania.ca, puis c'est le récit d'une vie de party. Le récit d'une vie de party. Ouais. C'est quoi, selon toi, la
l'affaire, je dirais pas l'affaire la plus basse que t'as faite. Quelle est l'affaire la plus fun que t'as faite? En conso? Ouais. Ben, tu sais, oh mon Dieu, c'est une bonne question. Denis Lévesque t'a pas posé ça, hein? Non, Denis Lévesque m'a pas posé cette question-là. In your face. Mais je dois dire que... Denis, on t'aime. Oui, je l'aime beaucoup, Denis. Mm-hmm. J'ai eu du fun. J'ai trippé, c'est sûr, jusqu'au moment où c'est plus trippant. You, mon char, oh, je sais pas. Mon ticket, j'ai pogné un ticket. Je me suis fait arrêter par la police. J'ai perdu mes permis, tu sais. C'est pas normal. Si ça nous arrive en consommation, il y a un problème. J'ai consommé pour me faire aimer, pour me faire accepter, pour tellement de raisons. Puis là, tu fais comme, ça fait un an que je suis moins dans le milieu là, de comédienne, tu sais. J'ai pas auditionné par choix. Puis je me suis fait offrir une petite gig sur un gala juste pour rire, d'ailleurs, que j'ai accepté avec Patrick Groulx. Ils m'ont donné ça. Je vais faire une fan finie de Patrick Groulx. Ah, oh, ben oui, c'est pour qu'il engage des comédiennes pour ça. Ouais. Moi, je veux rien rentrer dans la gorge à personne. Tu sais, je veux pas te rentrer le fait qu'il faut que t'arrêtes de consommer. C'est pas ça, pantoute. Ce que je veux faire, c'est montrer aux gens qu'il y a d'autres options. La sobriété, c'est une option envisageable, puis c'est le fun, puis c'est beau. Puis surtout pour un alcoolique, là, sérieux. Tantôt, je te parlais, quand tu nous autres, on s'est rencontrés, tu t'en souvenais pas. Mais non, je m'en souvenais pas. Pourtant, t'étais... Mais j'ai un gros gap, un 10 ans de ma vie que c'est flou. C'était des blackouts. Fait que toi, t'es comme, c'est qui ce gars-là qui m'appelle? Cet étranger qui est là, yeah, what's up, ça va? Et là, ça va bien, Carl? Ouais, je suis vraiment contente de te voir. Ouais, ben c'est ça, moi c'est Julien. Mais tu es. On est devenus des amis. Tantôt, t'as dit connaissance, machin, chouette. On est des amis. Ouais, je pense, ben moi je suis oui, mais je voulais pas te rentrer dans la gorge, mon amitié. Je te connais, ça fait longtemps. Je vais t'avouer, t'étais pas une pâle copie de ce que t'es maintenant. T'as bien réussi parce que t'étais jeune, hein? Non! J'ai jamais vu comme ça. J'étais fonctionnelle dans mes blackouts. Mais je trouve intéressant ton truc de je suis pas une pâle copie de ce que j'étais. J'étais pas une pâle copie de ce que je suis aujourd'hui. C'est parce que j'ai toujours été une bonne vivante quand même, tu sais. J'ai toujours eu cette espèce de rage de vivre, cette rage d'être heureuse. Puis là, ben aujourd'hui, je suis heureuse. Mais je sais que si je retourne consommer, je pourrais pas l'être autant. Moi, je le dis en anglais, mais there's no turning back. Il y a ben trop de chemin parcouru. Puis qu'aujourd'hui, si j'ai pas ma sobriété, je peux rien accomplir. Tellement fait du surplace à cause que je consommais, là. Aujourd'hui, ben, j'avance, tu sais. Je fais des grands pas de géant à chaque jour. Mais des fois, je m'énerve, là. Je suis un peu hyperactive, là. Ben, pourquoi pas? Occupe tes mains. Tu sais, Ben là, je vois que c'est ça que tu fais, là. Ouais, une nouvelle dépendance. C'est ça. Uptown girl! Mais tu vas dans 5 ans, peut-être dire, moi, j'étais dépendante aux chiens miniatures. Je te sniffais ça. Mais, regardez ça. Je te remercie de l'avoir fait ici. Merci, Julien, de m'avoir reçu puis d'être un ami. Notre prochain invité, c'est notre doux de multifonction. Vous le connaissez, vous l'aimez. Oui, iTunes. M'a updaté maintenant! Veuillez accueillir Félix, chargé de projet maintenant et expert en climatisation. Oh. Yeah! Hey, Joe! Hello! Vous vous chaud, les gars? Faites chaud ici, à besoin de moi? Non, là, pas en ce moment, mais moi, j'ai ma robe de chambre. Vous êtes bien? Je suis tempéré. Faites chaud un peu, non? Non. Ce que j'aime, c'est de savoir comment un ingénieur l'ingénieur du frigorifié va faire pour nous montrer, à nous, le commun des mortels, tu sais, comment s'aider soi-même. La première chose que j'aimerais te montrer, Julien, c'est classique. Ça a été inventé au Moyen-Orient avant. Ah, la thermopompe, les BTU. Non, non, pas, non. Ce qu'on a fait, c'est l'éventail, la classique éventail. Comme ça, quand il fait chaud, on peut faire ça comme ça. Mais... au bureau, tu sais, au bureau, des fois, là, regarde, tu le sens un peu. Tu sais que les Asiatiques qui avaient fait ça, c'était des gros ronds, tu sais, ça avait bien de la classe, là, ouais, non, là, c'est une 8 par 11 qu'on a pris, possiblement imprimé sur un des deux côtés. La deuxième chose, Julien, que j'ai apporté, qui vraiment nous a sauvés, je te dirais. Ah ouais?
C'est le casseau de glace. OK. Il est toujours bon d'avoir de la glace proche. Ça aide, hein? Ça aide. Mais ça rafraîchit. Écoute, Julien, que ce soit dans le cou, que ce soit dans le dos. En arrière du genou. En arrière du genou. Un air climatisé en soi. J'ai comme l'impression que tu vas me parler de la. Quand on est couché dans le lit, de la jambe qui sort de la couverte. Ben, écoute, Julien. Ou virer son oreiller de bord. Ça, oui, ça fait partie des trucs humains. J'ai le fameux. Je sais pas si la caméra. Est-ce qu'on voit, JS? Moi, j'aime bien ça, là. On crie un peu de vent, ça rafraîchit. Une brise d'été, c'est comme une brise d'été. Moi, j'appelle ça une brise d'été. Hein? T'as-tu? Je sens un peu de vent, hein? Il y a comme une brise, là. Julien, j'ai le casseau de glace, mais plus petit. Okay. Il est juste un peu plus petit que l'autre. Et ça, c'est pour du plus grand monde, pour du plus petit monde. Les enfants. Les enfants, tout ça. Yes. De l'eau. J'ai amené de l'eau. En ziploc? Ouais. Parce que Julien, l'eau, c'est pas acquis, hein? C'est un privilège. Je suis pas sûr. Je pense que tu parles du permis de conduire, là. Il y a des gens qui aiment montrer leur recette finale. Moi, je montre mes produits finales. Mais oui, c'est déjà comme ça. Fait que ça, c'est la glace que ça donne. Là, les gars, j'ai pas le temps de rester trop longtemps. Là, j'ai eu une grosse semaine. Il y a un édifice à condo qui appelez-moi mon équipe. 50 condos, j'ai dû offrir mes services, inspecter tout ça. Wow. J'ai même une école, fait que je suis pas mal brûlé. Puis, aucun comeback à date. Julien Le Matin, Facebook Live, Late Night Pajama Jams.